Alors, notre conférencier, M. Yoko Unoz, l'homme qui sait tout, est prêt à répondre à vos questions. Alors, je lui cède la parole. M. Unoz. Merci, M. Boivin. Alors, je sais tout, vous pouvez me poser tout. M. Unoz. Oui, monsieur, là-bas. À l'émission La Voix, le coach ne voit l'artiste que lorsqu'il appuie sur le bouton « Je te veux ». Effectivement. Mais lorsqu'il le voit, ça peut peut-être changer quelque chose? En effet. D'ailleurs, à l'origine, il y avait un deuxième bouton qui allumait la phrase « Bon, bien, coudon, virgule, j'ai changé d'idée, je sais pas pourquoi. De toute façon, dis-toi bien que ça en prend des gens qui travaillent dans les usines, virgule, mais t'as beaucoup de talent, lâche pas. Ah bon? Mais ce bouton a été retiré, il n'est plus une option. Merci. Monsieur Unoz, à l'émission La Voix. Oui, vous me posez des questions sur d'autres sujets, hein, chez toutes, là. Oui, mais à l'émission. Vous intéresse pas de savoir qui est payé par Environnement Canada pour aller ressentir la température qui est ressentie dans les bulletins de météo? Oui, mais à l'émission La Voix, les fauteuils tournants avec le bouton. Oui. Est-ce qu'ils perdent leur garantie lorsqu'occupés par Éric Lapointe? Bon, selon nos recherches, tout objet se trouvant à un rayon d'un kilomètre autour d'Éric Lapointe perd automatiquement sa garantie. Ah oui. C'est d'ailleurs écrit en toutes lettres sur tout manuel d'instruction en Amérique du Nord dans le chapitre Support and Troubleshooting Éric Lapointe Proximity Occurrence. Merci. Monsieur Unoz. Oui, monsieur. À l'émission La Voix. Oui. J'ai réponse à d'autres sujets aussi, hein. Oui, mais à l'émission. Je pas de savoir quel genre de couturier Dieu a-t-il bien pu engager pour désigner cette discutable séparation entre nos deux testicules? À l'émission La Voix. Oui. Les chanteurs-chanteuses qui entendent pas le son du bouton au moment où ils chantent leur chanson. Oui, oui. Est-ce que c'est la pire chose qu'on puisse ne pas entendre dans la vie? Eh bien, elle arrive en deuxième position après la première chose la plus grave qu'on n'entend pas, qui est la réponse à la question même du pareil posée à sa conjointe après avoir oublié d'y enregistrer l'unité 9. Monsieur Unoz, au sujet de La Voix. Oui, posez-moi des questions sur d'autres sujets. Oui, mais est-ce que. Vous voulez pas savoir combien de fois un fabricant de sauce Worcestershire a le temps de changer de logo sur son produit avant que vous ayez besoin d'en acheter une nouvelle bouteille? Est-il possible d'avoir une carrière en chanson sans passer par une télé-réalité? Absolument. Ah ouais? Suffit de faire une tune et l'envoyer sur YouTube. C'est certain, là-dessus. En s'assurant, évidemment, pour attirer l'attention du public, de bien la chanter en se faisant courir après par un troupeau de bisons afin d'avoir une place à l'émission Vlog. Merci.